Moi, je suis Margot Le Carpentier. J'ai un bar à cocktail qui s'appelle Combat à Paris. J'ai tout mon matériel qui est là, je vais vous faire un cocktail. Le cocktail de la boîte noire. Alors, je vais commencer avec un sirop de miel, en fait, dans lequel j'ai ajouté du charbon végétal. Le charbon végétal va servir de colorant, en fait. Je mets du jus de citron. Je mets à peu près la même dose. Comme ça, il y a un bon équilibre entre l'acidité et le sucré. Après, j'ai fait du jus de concombre. Il est fait maison. Là, j'en mets presque le double. Ça va vraiment apporter de la fraîcheur. J'ajoute du thé. C'est du thé oolong. Bon, on le mélange. C'est parti. Alors, moi je le fais au shaker. Il y a plusieurs méthodes en fait possibles. On peut shaker un cocktail, on peut le stirrer. C'est un mot anglais pour dire qu'on mélange en fait les cocktails à la cuillère, avec une cuillère à cocktail. Et là en fait, on peut juste mélanger les spiritueux de cette manière-là. Et la deuxième méthode, c'est au shaker. On écrase les ingrédients en fait. Voilà. Bon, l'important surtout, c'est de bien le sceller. Et puis derrière le bar, on aime bien faire un peu d'acrobatie. Et voilà. Bon, là, c'est le moment délicat, là. Il faut l'ouvrir. Il est bien scellé. Généralement, c'est bien dur. C'est le moment où tout le monde a un peu de mal chez soi. Il faut le tenir comme ça. Et là, il faut donner un coup sec comme ça. Et voilà. Bon, j'ai pas réussi du premier coup, en vrai. Ensuite, il faut bien le filtrer. Parce qu'il y a des petits bris de glaçons qui font que c'est pas très agréable. Et surtout, ça va diluer. On n'a pas envie que le cocktail il soit dilué. Donc là, vous ne voyez pas encore, mais il y a plein de mousse. Et il y a le cocktail tout noir de la boîte noire. Donc là, j'ai choisi un verre tube. Je trouve qu'il met bien en avant les cocktails colorés. C'est un peu disco comme forme de verre. Donc, comme garniche, on appelle ça un garniche, la décoration. On va la placer autour du verre. C'est une tranche de concombre, très fine. Et je l'ai humidifiée avec du jus de concombre pour qu'elle puisse naturellement coller au verre. Et voilà. Je vais mettre la glace dans le bar à Combat. On a plein de cocktails signature, on en a généralement une douzaine au menu. Et c'est que des cocktails inventés par l'équipe derrière le bar. Tout le monde crée des cocktails. Et voilà. Et là, c'est parti. On va découvrir le cocktail avec sa petite mousse sur le dessus. Cocktail noir de la boîte noire. Toujours avec une paille en métal. Et voilà. Bon, je suis toute seule, alors je le goûte, hein. Ouais, c'est bien, elle a réussi. Bon, bah, à la vôtre.